Bonjour, dans cette capsule, je vais t'expliquer comment activer AirDrop sur les appareils des élèves pour pouvoir leur partager des fichiers. Donc, premièrement, avec ton doigt, tu vas aller dans le coin supérieur droit de l'appareil, donc ici, dans cette zone-ci, et on va glisser le doigt vers le bas. Donc, dans les différentes zones qui s'affichent ici, on voit apparaître dans cette zone-ci le symbole d'AirDrop à côté de l'avion. Donc, j'appuie. Et c'est là qu'on décide à qui on veut être accessible via AirDrop. Donc, quand on est en classe, bien, on peut activer à tout le monde ici. Donc, on sélectionne l'option « Tout le monde ». Voilà. Donc, l'appareil est maintenant visible pour le partage. Il est également possible d'activer AirDrop via les paramètres dans les réglages. Donc, ici, on va aller dans « Réglages ». Donc, on voit qu'on est dans la section générale ici et on a l'option AirDrop. Donc, il est possible ici d'aller modifier également pour le mettre à tout le monde ou également désactiver la réception si on le désire. Voilà, c'était comment activer ou désactiver la fonction AirDrop.